Bonjour à tous et bienvenue dans cette masterclass sur le mal de dos. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anas, je suis kinésithérapeute spécialisé. Dans la prochaine heure, j'aimerais vous faire découvrir la méthode qui m'a permis d'aider plus de 25 000 patients souffrant de mal de dos au cours des 13 dernières années. Cette méthode m'a également permis d'aider des centaines de milliers de personnes à travers l'Ombafit, ma communauté en ligne. Si vous souffrez d'une hernie discale, d'une sciatique, d'arthrose lombaire ou de toute autre forme de mal de dos, vous êtes au bon endroit. Je vous promets qu'à la fin de cette masterclass, votre perspective sur votre mal de dos ne sera plus jamais la même. Vous partirez avec un espoir renouvelé et des outils concrets pour surmonter vos douleurs. Sans tarder, j'aimerais qu'on passe en mode présentation afin que je puisse illustrer mes propos et vous guider vers une vie active et sans douleur. C'est parti. On est donc en mode présentation. Je suis très excité et honoré de vous partager les secrets pour dire adieu à votre mal de dos. Lors de cette masterclass, je vais vraiment vous enseigner tout ce que je sais. Je ne vais rien vous cacher et j'espère sincèrement que vous allez en bénéficier. À la fin de cette masterclass, vous allez mieux comprendre pourquoi est-ce que vos douleurs persistent et cinq erreurs que vous commettez probablement qui retardent votre guérison. Également, on va regarder ensemble quatre causes réelles de vos douleurs. Et je suis sûr que vous serez très surpris parce que la plupart des gens, ils me disent que leur mal de dos provient de leur hernie discale ou bien de leur matelas ou bien de leur mauvaise posture. Or, il y a quatre causes très, très, très importantes et méconnues qui expliquent en fait vos douleurs. Ensuite, on va explorer six pistes de solutions concrètes, donc des conseils pratico-pratiques basés sur ma méthode unique pour mettre un terme à vos douleurs de façon durable. Et pour conclure, avec votre permission, j'aimerais vous parler de l'approche qui m'a permis de soulager des milliers de personnes en présentiel et en ligne au cours des dernières années. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Moi, je suis, quand j'ai dit, très excité et très content à l'idée de vous partager toute cette information. J'ai un petit service à vous demander. J'aurai besoin de toute votre attention. Parce que ce que vous allez entendre aujourd'hui peut réellement vous aider à surmonter votre mal de dos et transformer votre quotidien. Donc, je vous demande d'être tout ouïe, de prendre des notes s'il le faut. Et puis, vraiment, vous pouvez en bénéficier si vous appliquez les conseils que je vais traiter et que je vais vous partager aujourd'hui. Également, ça va être très très important de rester jusqu'à la fin. Pourquoi Parce que ceux et celles qui auront la patience et le, le, le courage de rester avec moi jusqu'à la fin pourront bénéficier de bonus offerts. Donc il y a énormément de bonus que j'aimerais partager avec vous et donc je vous invite à rester jusqu'à la fin pour en bénéficier. Ensuite, j'aimerais évidemment ne pas perdre votre temps parce que, en fait, pour être honnête, cette présentation n'est pas pour tout le monde. Déjà, si vous avez des symptômes inhabituels, par exemple des engourdissements dans les organes génitaux ou bien des sueurs nocturnes ou bien des douleurs qui ne sont pas reliées au mouvement, eh bien là, il se peut que cette condition provienne d'une condition un peu plus sérieuse. Et donc, cette condition requiert une intervention médicale. Et évidemment, je ne peux pas vous aider si c'est le cas. Également, si votre médecin vous a interdit de faire de l'exercice pour une raison ou une autre, encore une fois, cette présentation n'est pas faite pour vous. Également si vous vous attendez à un produit miracle pour vous soulager, si vous pensez qu'à la fin de cette présentation, je vais vous proposer un complément ou bien une crème qui pourrait soulager vos symptômes presque instantanément, eh bien vous serez déçu. Donc je cherche des gens qui sont motivés à passer à l'action, à avoir une attitude proactive pour guérir. Donc maintenant qu'on est lancé et qu'on est sûr que cette présentation va vous être utile, j'aimerais qu'on prenne un moment pour parler de vous. Je ne vous connais pas personnellement, mais je sais qu'à ce stade, vous avez probablement essayé des médicaments, de vous reposer, des exercices peut-être chez le kiné ou bien déniché sur YouTube, peut-être que vous avez fait de l'ostéo, des massages. Bref, vous avez essayé des modalités pour soulager votre mal de dos. Et peut-être que vous avez vu une petite amélioration, mais vous êtes encore limité à cause de votre dos. Il y en a plusieurs qui sont limités au quotidien ou bien au travail. Ou bien dans leurs activités sportives, et ça les limite au quotidien. Donc, j'espère que vous vous sentez concerné, parce que si c'est le cas, eh bien, cette présentation, cette masterclass, va réellement avoir un impact positif dans votre vie. Maintenant, j'aimerais qu'on prenne un petit moment pour parler de moi, et plus précisément, j'aimerais vous expliquer pourquoi est-ce que vous devriez me faire confiance pour votre dos. Je m'appelle Anas et je suis kinésithérapeute. Par contre, je ne suis pas le kiné conventionnel, je ne suis pas un kiné comme les autres. En fait, déjà, je viens du Canada, donc je viens de Montréal. C'est là que j'ai obtenu mon master en physiothérapie à l'Université de Montréal. Et dès le début de ma carrière, en fait, j'ai vite été lassé des méthodes conventionnelles. Donc les courants électriques, les ultrasons, les massages. Pourquoi Parce que j'ai remarqué que ces modalités, en fait, procuraient des effets temporaires. Et donc, la douleur pouvait réduire, diminuer un petit peu. Mais quelques temps après, quelques jours, à la limite quelques semaines, la douleur finissait toujours par revenir. Et ça, c'était très frustrant pour mes patients et évidemment très frustrant pour moi. Ensuite, j'ai été déçu assez rapidement des standards de plusieurs thérapeutes. Malheureusement, il y a plusieurs thérapeutes qui traitent plusieurs patients en même temps. Et malheureusement, des fois, il y a des contraintes économiques ou bien de temps qui nous obligent parfois les kinés à traiter beaucoup de gens en même temps. Mais ça fait en sorte qu'on peut parfois perdre cette empathie qui est très importante à notre métier de kiné. Et donc, on peut perdre cette empathie envers les patients. Et donc, étant donné cette situation je me suis dit il faut que je trouve une méthode une approche qui va me permettre d'éliminer le mal de dos de mes patients sur le long terme et garder cet élément d'empathie qui fait en fait qui est la clé pour qu'on puisse traiter quelqu'un et bâtir une relation durable et honnête avec nos patients ceci m'a amené à voyager donc j'ai dû Quitter mon petit monde et voyager partout à travers le monde. Et c'est une bonne chose. En fait, ça tombe bien parce que mon épouse est hôtesse de l'air. Donc, j'ai pu joindre l'utile à l'agréable. J'ai donc fait plusieurs formations continues, post-graduées. Ceci m'a amené au Canada, évidemment, mais également aux États-Unis, en France, en Angleterre, au Moyen-Orient. Et je peux dire que 13 ans plus tard, je suis honoré et fier d'avoir aidé plus de 25 000 personnes qui souffraient de mal de dos. Comme ma méthode, elle fonctionnait en présentiel, je me suis dit, je me suis posé une question, je me suis dit, est-ce que cette méthode que j'utilise avec mes patients, si je l'appliquais vers des gens que je connais pas en fait, si je l'appliquais en ligne Et comme de fait, il y a eu le confinement et le coronavirus qui nous a obligés à être confinés et à échanger via l'ordinateur et via les réseaux sociaux. Et donc j'ai décidé d'appliquer ma, ma méthode que j'utilisais normalement en présentiel en ligne avec des patients à distance. Et à ma grande surprise et à mon grand soulagement et au soulagement de mes patients virtuels, la méthode fonctionnait également en ligne. Et c'est là que je me suis dit, il est le temps d'agir. C'est là que j'ai créé Lombafit. Lombafit, à son pic, était un site consulté par plus de 350 000 personnes sur une base mensuelle. Et il y a des milliers de personnes qui ont pu bénéficier de mon approche, de mes conseils à travers mes vidéos, mes articles de blog, mon contenu, ma communauté. Grâce à cette plateforme, Lombafit, j'ai pu aider des milliers de personnes à soulager leur mal de dos et reprendre une vie active. Et ça, c'est une grande, grande, grande fierté pour moi. Des gens comme Sylvie, qui à 41 ans n'arrivait plus à faire sa promenade quotidienne à cause de son canal lombaire étroit. Et donc, à travers mes conseils, elle a pu reprendre cette activité qui lui était chère. Michael, à 46 ans, a dû cesser la boxe à cause de sa hernie discale. Et grâce à mon suivi, eh bien, il est en train de taper contre le sac maintenant. Il est en train de se faire plaisir. Et ça, c'est excellent pour sa santé mentale. Également Amine qui à 22 ans ne pouvait pas maintenir la position assise à cause de son mal de dos et ça, ça lui causait énormément de problèmes parce que ça affectait ses études. Ou bien Alice à 39 ans qui n'arrêtait pas de se blesser lorsqu'elle faisait du yoga après avoir été traitée grâce à ma méthode, à mon approche, eh bien elle est prof de yoga aujourd'hui. Et vraiment ma plus grande motivation encore aujourd'hui, c'est vous, c'est vos retours, les commentaires très 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 encourageant sur mes compétences, sur mes programmes, sur mon contenu, sur mes enseignements. C'est vraiment vous qui me donnez la motivation pour continuer d'agir, de vous éduquer, de vous aider dans votre cheminement pour soulager votre mal de dos et reprendre une vie active. Donc maintenant qu'on a parlé de vous, de moi, j'aimerais qu'on rentre dans le vif du sujet. J'aimerais qu'on parle tout d'abord des raisons pour lesquelles vos douleurs persistent. Vous allez peut-être vous dire comment ça se fait que j'ai encore mal après tout ce temps, malgré tout ce que j'ai essayé. Eh bien, laissez-moi vous dire, évidemment, il existe des cas extrêmes où la douleur échappe à tout contrôle. Si par exemple, il y a eu un accident sévère, ou bien des facteurs génétiques, une maladie, des infections, des choses qui sont hors de nos contrôles. Et là, malheureusement, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. Et comme j'ai dit, cette présentation s'adresse à des gens qui veulent adopter une approche proactive. Donc, on veut avoir un contrôle sur nos douleurs pour pouvoir les modifier et les éliminer. Et de ce fait, vous commettez probablement cinq erreurs qui ralentissent votre guérison et j'aimerais qu'on en discute une par une. La première erreur, c'est que vous n'avez pas encore trouvé l'équilibre entre repos, et activité physique. Je m'explique. Il y a deux types d'individus. Évidemment, c'est une caricature, mais on va les appeler les tranquillous et les hyperactifs. Parlons d'abord des tranquillous. Les tranquillous, c'est des gens qui sont sédentaires, qui aiment se reposer, se poser sur leur canapé. Lorsqu'ils ont mal au dos, ils se disent toujours Je vais me reposer, je vais me reposer jusqu'à ce que la douleur disparaisse. Le problème, c'est que ça vient avec des conséquences. Le fait de se reposer à l'excès vient avec un déconditionnement physique, cardiovasculaire. Ça peut provoquer de l'atrophie, donc des muscles qui vont devenir plus faibles, de la raideur, les articulations qui n'ont pas été stimulées, donc devenir ankylosées. Et il va s'installer un cercle vicieux chez ces tranquillous. Une fois qu'ils auront de la douleur, ils vont avoir un repos qui est excessif. Et à ce moment-là, ils vont penser que la douleur a disparu parce qu'ils auront moins de symptômes. Mais étant donné les conséquences qui se sont installées, au moment où ils vont reprendre leur activité, boum, la douleur va revenir de plus belle et on va tomber dans ce cercle vicieux de douleur qui va continuer indéfiniment. A l'inverse, il y a les gens qui sont hyperactifs. Les gens hyperactifs, c'est des gens qui sont constamment en mouvement, toujours à faire des activités, ils n'écoutent pas vraiment leur corps. Et lorsqu'ils ont mal au dos, ils se disent toujours, écoute, j'ai trop de trucs à faire, je n'ai pas le temps de me reposer. Encore une fois, il y a des conséquences à cette attitude. Malheureusement, ça va créer de la surcharge au niveau des vertèbres, au niveau du corps. Ça va provoquer de l'inflammation et éventuellement une blessure. Et de façon concrète, les hyperactifs vont également tomber dans un cercle vicieux de douleur. Au moment où ils auront mal, ils vont se reposer, mais de façon trop courte. Alors, une fois que la douleur qui est encore présente, va être en fait là, ils vont reprendre l'activité de manière précoce. Et étant donné la précocité du retour aux activités, forcément la douleur va revenir de plus belle. Et eux aussi vont tomber dans un cercle vicieux qui les empêche de guérir. Alors, je peux vous dire que vous n'avez pas encore trouvé cet équilibre entre repos, et activité quand est ce qu'il faut se reposer quand est ce qu'il faut bouger à quel point il faut bouger à quel point il faut se reposer lorsqu'on trouve cet équilibre c'est là que les douleurs vont disparaître c'est là qu'on va être en contrôle de la situation et que le mal de dos pourra réellement être éliminé sinon on va créer un environnement qui n'est pas optimal à les guérisons parce qu'il y aura un cercle vicieux de douleurs qui va nous empêcher de guérir la deuxième erreur que je constate souvent auprès de mes patients, c'est qu'ils font des exercices, mais ils font les mauvais exercices. Qu'est-ce que je veux dire par mauvais exercice D'une part, il y a des exercices qui ne sont pas adaptés à votre condition spécifique. Par exemple, si on veut exagérer un petit peu, imaginez que vous avez mal au dos et que vous travaillez vos biceps. Évidemment, le dos ne pourra pas guérir si vous travaillez uniquement vos bras. Également, si vous faites des exercices qui sont mal dosés, donc avec une intensité beaucoup trop élevée, évidemment, votre dos ne pourra pas guérir. Et si vous faites des exercices, mais que vous les faites mal, donc il y a énormément de compensation, vous compensez avec les épaules, avec le dos, avec le cou, bref, vous pouvez mal réaliser les, les exercices, qui va engendrer des douleurs ailleurs, et évidemment empêcher votre dos de guérir de façon convenable. Je vais vous donner des exemples un peu plus précis et contextuels. Prenons quelqu'un qui est hyper laxe. Donc si vous, vous êtes quelqu'un de très flexible, si vous faites des étirements, ça sera une mauvaise utilisation de votre temps et ça peut même causer du tort. Pourquoi Parce que si on est extrêmement flexible et qu'on fait des étirements, on va augmenter cette flexibilité qui peut parfois mener à de l'instabilité lombaire. Et donc lorsque le dos, il est déjà flexible et on lui rajoute une couche de flexibilité, eh bien, il n'y a pas de support et il peut se manifester des douleurs en conséquence. À l'inverse, quelqu'un qui est extrêmement raide, eh bien, si lui décide de faire du gainage, encore une fois, il ne va pas utiliser son temps de la meilleure façon et ça peut être même contre-productif parce qu'il ne verra pas d'amélioration. Parce qu'une fois qu'il est raide, il n'a pas beaucoup d'amplitude. Alors s'il ne veut que muscler l'amplitude qu'il a, qui est très limitée, forcément son dos ne pourra pas guérir de façon optimale. Donc voilà pour la deuxième erreur. J'aimerais qu'on passe à la troisième erreur. J'espère que vous prenez du plaisir avec cette présentation. Moi, comme je vous dis, ça me fait... Très plaisir de vous partager toutes ces informations. C'est des erreurs que je vois énormément tous les jours de la part de mes patients. Et je sais que s'ils corrigeaient ces erreurs-là, ils verraient une énorme différence. Et donc c'est pour ça que j'ai envie de les partager avec vous pour que vous ne fassiez pas ces erreurs et que vous puissiez guérir de façon optimale. Donc la troisième erreur, c'est quoi C'est que vous négligez les irradiations de douleur dans la jambe. Ce qui arrive souvent, c'est que les gens, ils ont un petit peu de douleur dans le bas du dos, et après la douleur commence tranquillement à descendre dans la jambe. Et comme elle est légère au niveau de la jambe et qu'elle est plus importante au niveau du bas du dos, ils délaissent en fait la douleur qui irradie, ils se disent, mais ma douleur, elle est plus importante au niveau du bas du dos, donc c'est ma priorité. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous observez cette progression de vos symptômes dans le temps, une douleur qui descend tranquillement vers le pied, parfois associée à des engourdissements ou bien des picotements, on appelle ça la périphéralisation de vos symptômes, eh bien, c'est signe que la douleur est en train de s'aggraver, que votre condition, elle est en train de s'aggraver. Et dans les études, on a vu qu'une irradiation de douleur était associée à un moins bon pronostic. Donc, si vous avez des douleurs qui irradient, il faut corriger les irradiations de douleur et ça devrait être votre priorité. Maintenant, pour la quatrième erreur que je vois souvent et que vous commettez probablement, c'est que vous surestimez le pouvoir des professionnels de santé. Et je m'inclus dans ce portrait. Plusieurs gens ont des croyances qui sont malheureusement erronées. Si vous pensez... Que le médecin va vous prescrire une IRM qui va clairement identifier la source précise de votre problème, bonne chance. Également si vous pensez que votre ostéo va vous décoincer et corriger votre hernie discale, encore une fois, euh, j'ai pas beaucoup d'espoir. Même chose pour les courants électriques du kiné. Certaines personnes pensent que ce courant électrique à lui seul va réduire et éliminer la douleur. Plusieurs personnes pensent que si la douleur persiste, ils peuvent simplement faire une infiltration et la douleur va disparaître, disparaître presque instantanément. Et que dans le dernier des recours, on n'a qu'à faire une chirurgie et puis le chirurgien va permettre d'éliminer la douleur pour de bon. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et comme j'ai dit, si vous pensez que les professionnels de santé pourront à eux seuls... Éliminer votre douleur, eh bien, vous avez tort. Et peut-être que vous avez oublié quelque chose. Peut-être que vous avez oublié que la solution devait venir de l'intérieur. Maintenant, pour la dernière erreur qu'on va couvrir aujourd'hui, c'est la cinquième erreur. C'est que vous sous-estimez l'importance de la prévention. Je vais vous partager une statistique qui malheureusement est un petit peu déprimante et que vous connaissez, vous connaissez peut-être et que vous avez peut-être vécu. <coughs> Environ 40% des personnes qui souffrent d'un épisode de lombagie, lombalgie aiguë, donc un lombago, en auront un autre dans l'année suivante. Donc évidemment, il faut trouver un moyen pour que la douleur ne revienne pas après une crise et ne s'aggrave pas. Le patron typique de douleur, c'est que en fait la douleur elle est souvent cyclique, c'est-à-dire on a des moments où est-ce qu'on a plus de douleur et d'autres où est-ce que la douleur est un peu plus gérable, un peu plus tolérable. Maintenant le problème, c'est que lorsqu'on a beaucoup de douleur, c'est là qu'on est très motivé, on fait nos exercices, on fait nos étirements, on fait attention à notre posture. Or ça devrait être l'inverse, c'est lorsque la douleur est tolérable justement qu'on devrait faire ces exercices, ces étirements et faire attention à notre posture pour prévenir l'apparition de douleurs et d'inflammations. Parce qu'une fois que la douleur est installée, c'est beaucoup plus complexe à éliminer, à traiter. Et donc, c'est lorsque vous avez moins mal que vous devez trouver la motivation pour prendre en charge votre dos et prendre soin de votre santé. Et malheureusement, c'est l'inverse qui arrive. Bref, ces cinq erreurs qu'on a couvertes retardent votre guérison et continuent d'alimenter votre mal de dos. Maintenant, j'espère que vous avez bénéficié de cette présentation jusque-là et que ces erreurs-là vous ont fait réfléchir et que vous allez essayer, évidemment, dans la mesure du possible, de les éviter. Évidemment, si vous faites ces erreurs, ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un de mauvais. C'est des erreurs qui sont très faciles à commettre et c'est très difficile de trouver cet équilibre parfait. On a tous des contraintes externes qui nous empêchent de faire les choses de manière optimale, mais au moins avoir cette... Cette idée en fait, cette euh, conscience de ces erreurs pourrait vous mener vers le chemin de la guérison. J'aimerais maintenant qu'on enchaîne avec les causes, les causes réelles de vos douleurs. J'espère que vous êtes toujours motivé. Moi je suis, comme j'ai dit, très excité à l'idée d'être là et je prends beaucoup de plaisir à vous éduquer sur votre condition et j'espère que vous bénéficiez de cette masterclass jusqu'à présent. Donc... Les causes réelles de vos douleurs. Qu'est-ce qui explique réellement vos douleurs, votre mal de dos Ces quatre causes qu'on va couvrir sont la source de votre mal de dos. Et encore une fois, ce n'est pas votre hernie discale qui est la cause de votre problème. Évidemment, il y a certaines hernies qui sont inflammatoires qui peuvent expliquer la douleur, mais il y a plusieurs personnes qui ont des hernies discales à l'imagerie qui n'ont aucune douleur et qui vont vivre avec cette hernie pour le reste de leur vie sans toutefois souffrir de mal de dos. Alors comment expliquer le fait qu'une hernie puisse être asymptomatique Eh bien déjà, on peut dire que l'hernie n'est pas toujours la cause de la douleur. Il en est de même pour l'arthrose, même chose pour votre matelas ou bien votre oreiller ou bien votre mauvaise posture. Ce ne sont pas les causes réelles de vos douleurs. Alors qu'est-ce qui explique réellement vos douleurs Bien, il y a quatre causes. Et la première, c'est ce qu'on appelle une hypersensibilité du système nerveux central. C'est un terme complexe, mais pour faire simple, il faut comprendre que la douleur, c'est un message qui origine du cerveau et qui descend vers la périphérie pour se manifester sous forme de douleur lorsqu'on perçoit un danger. De façon concrète, Lorsque vous avez mal au dos, c'est que votre cerveau a perçu un danger et a envoyé un message jusque dans votre région lombaire pour lui dire Tu dois manifester de la douleur, donc c'est pour ça qu'on ressent le mal de dos tu dois augmenter les tensions musculaires c'est pour ça qu'on a des raideurs dans le bas du dos et également, il vous fait modifier vos mouvements créer des chaînes compensatoires qui font en sorte que vous ne bougez pas de manière naturelle. La perception de danger de votre cerveau, elle est influencée par plusieurs facteurs. Par exemple, une mauvaise expérience passée, ou bien une appréhension, une appréhension d'avoir mal, ou bien un état de stress, d'anxiété, de dépression. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette perception de danger peut être modulée. Et des fois, on peut exagérer la douleur si on a une mauvaise expérience passée, par exemple, alors que des fois, on peut sous-estimer la douleur si par exemple on ignore nos symptômes. Ce que je veux que vous compreniez c'est que cette perception peut être modulée et ça c'est une bonne nouvelle parce que si elle peut être modulée par le haut, eh bien elle peut être également modulée vers le bas pour soulager vos symptômes. Maintenant la deuxième raison la deuxième cause de douleur qui explique votre mal de dos, c'est une mauvaise activation des abdominaux profonds. On connaît tous le grand droit, le muscle le, qui caractérise la fameuse tablette de chocolat, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un muscle qui s'appelle transverse abdominal, qui est situé sous les abdos et qui entoure en fait euh, le tronc et qui sert un petit peu de, de ceinture lombaire naturelle. Donc il couvre, et il aide à stabiliser les vertèbres et à protéger le bas du dos. C'est un muscle qui est très profond. Et lorsqu'on lorsqu a fait des études sur ce muscle, on a réalisé qu'il y avait des faiblesses du muscle transverse chez les populations lombalgiques. Outre les faiblesses, c'est-à-dire qu'il ne faisait pas son rôle, à savoir de stabiliser les vertèbres, de protéger votre dos comme une ceinture lombaire naturelle le ferait, eh bien, ce muscle-là était plus faible chez les populations qui avaient mal au dos. Et outre les faiblesses, il y avait également un délai de contraction lors d'activités fonctionnelles. Donc normalement, ce qui devrait arriver, si par exemple je me penche pour soulever une charge lourde, le muscle transverse devrait idéalement se contracter au préalable pour protéger mon dos, protéger ma colonne et me permettre d'engager mes autres muscles pour pouvoir soulever cette charge. Lorsqu'on a réalisé des études chez les patients lombalgiques, les gens qui avaient mal au dos, on a vu que ce muscle, il tardait à se contracter lorsqu'on faisait des activités. Ça, ça implique que, par exemple, si je me penche pour soulever une charge, eh bien le muscle ne ferait pas son travail protecteur, il ferait son travail trop tard, et donc au moment où je soulèverais une charge ou bien ferais n'importe quelle activité, le muscle ne serait pas là pour me protéger. Maintenant, la troisième cause qui explique les, 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 les douleurs, c'est des déséquilibres musculaires. Donc il y a parfois certains muscles qui sont beaucoup trop raides alors que d'autres sont trop faibles. Et cette combinaison peut... Créer des déséquilibres posturaux. On va prendre un exemple assez classique, c'est l'hyperlordose lombaire. Vous avez déjà vu des gens qui avaient une cambrure dans le bas du dos, un petit peu les fesses sorties, et on voyait un creux en fait dans le bas du dos. Peut-être que c'est votre cas d'ailleurs. Mais il y a une théorie qu'on appelle en anglais le Lower Crossed Syndrome qui indique en fait que cette hyperlordose est caractérisé par une raideur de certains muscles et une faiblesse de d'autres muscles qui fait en sorte que le bassin bascule vers, vers l'avant, ce qui augmente la cambrure au niveau du bas du dos et cause en fait cette posture qui peut mener à un mal de dos. Plus précisément, il dit que une faiblesse des muscles abdominaux et des fessiers fait en sorte que le bassin n'est pas capable de rester vers l'arrière de créer une rotation vers l'arrière associé simultanément à une raideur des muscles dans le bas du dos, les paraspinaux, ainsi que les fléchisseurs de hanches qu'on appelle les psoas, fait en sorte que ça tire le bassin vers une rotation antérieure, donc où on vient cambrer davantage le bassin. Et donc cette combinaison d'éléments, de raideur et de faiblesse, fait en sorte qu'on a cette hyperlordose. Maintenant, la dernière cause qu'on va traiter dans cette masterclass, c'est l'équilibre biopsychosocial. Je sais que je vous donne beaucoup d'informations, que j'enchaîne les informations les unes après les autres, mais j'ai vraiment envie de vous enseigner tout ce que je sais. Euh, J'espère que vous pourrez absorber le plus d'informations possible. Vous pouvez toujours réécouter cette masterclass, mais j'aimerais vraiment vous partager le plus d'informations possible, Dont vous m'excuserez si je vais un petit peu trop vite, mais je veux vraiment que vous bénéficiez le plus possible de ce moment passé avec moi. Donc, pour le der la dernière cause, de douleur, c'est cet équilibre biopsychosocial. On va s'éloigner un petit peu du, mal, du dos, de mal de dos et on va regarder d'autres aspects de votre vie. Si on regarde votre alimentation, Peut-être que vous ne saviez pas, mais il y a certains aliments qui peuvent augmenter le niveau d'inflammation, et ça c'est reflété par euh, la CRP qu'on peut voir avec une prise de sang. Donc on voit le niveau d'inflammation du corps qui est augmenté lorsqu'on consomme certains aliments, souvent c'est les aliments qui sont mauvais pour la santé, qu'on connaît tous, les fritures, les, les bonbons, les, les sucreries, etc. Et même, une carence en vitamine D a été corrélée avec le mal de dos chronique, donc il est possible que le Vi la vitamine D, lorsqu'il n'est pas suffisant dans le corps, puisse participer aux douleurs chroniques. <laughs> Pour le sommeil, c'est assez facile à concevoir et je suis sûr que vous le savez déjà. Lorsque vous avez mal au dos, ça affecte le sommeil, ce qui implique une mauvaise récupération, donc une guérison opt optimale de vos douleurs, et en fait un cercle vicieux. Et après, on ne sait même plus si c'est le sommeil affecté qui augmente le mal de dos, ou bien si c'est le mal de dos qui nous empêche de bien dormir. Et donc ces deux éléments, associés ensemble, créent cette, ce, ce cercle vicieux de douleurs qui nous empêche de guérir. Le stress... Ça aussi, il va sans dire que lorsqu'on est stressé, ça vient augmenter les tensions, ça vient créer en fait des déséquilibres hormonaux, ça vient créer du cortisol, bref, plusieurs déséquilibres qui peuvent participer à l'augmentation des douleurs. Donc, même si on fait le meilleur traitement à côté, si on ne gère pas ces éléments-là, personnels et euh, interpersonnels d'ailleurs, eh bien, on pourra augmenter notre mal de dos sur le long terme. Et également, on a le poids. Le poids, en fait, les quelques kilos en trop, peuvent influencer ou non le mal de dos. Chez certaines personnes, ça vient modifier le centre de gravité, les courbures de la colonne vertébrale, ça peut augmenter le stress sur les vertèbres. Et donc, dans ce contexte, on peut voir une augmentation des douleurs. OK, donc on a couvert maintenant les erreurs qui peuvent, expli qui peuvent expliquer pourquoi est-ce que vos douleurs persistent. On a traité des causes réelles, la source de vos douleurs, pourquoi est-ce que vos douleurs sont présentes. J'aimerais qu'on termine par des solutions, des solutions concrètes pour enfin mettre un terme à vos douleurs pour de bon. Et en fait, cette section, c'est une bonne chose. En fait, elle va servir de révision des concepts vus jusqu'à présent parce qu'on va reprendre certains éléments qu'on a vus précédemment, précédemment et je vais vous donner des solutions concrètes en fonction de ce qu'on a discuté. Première chose que j'aimerais que vous fassiez, c'est de prioriser la centralisation de vos symptômes. Tout à l'heure, on a dit que si vos symptômes irradient dans la jambe, c'est un signe que votre condition s'aggrave. La périphéralisation de vos symptômes. Eh bien, si c'est le cas, vous devez à tout prix chercher une centralisation de vos symptômes, c'est-à-dire ramener les symptômes depuis la jambe jusque dans le bas du dos. C'est un signe de bon pronostic. C'est un signe que la condition est en train de guérir. Et ce, même si votre douleur dans le bas du dos augmente temporairement, quitte à ce que la douleur Réduisent, euh, diminuent dans la jambe. Et pour ce faire, il y a plusieurs façons en fait de centraliser les symptômes. Il y a ce qu'on appelle la direction préférentielle. C'est une direction de mouvement qui est individualisée, qu'il faut trouver pour sa propre personne et que si on répète de façon prolongée et continue, peut permettre cette centralisation des symptômes. C'est tiré de la méthode McKenzie, qui est une méthode en fait qui vous permet d'utiliser la direction préférentielle pour centraliser et soulager vos symptômes. Également, pour réduire les douleurs qui irradient, on peut mobiliser les nerfs affectés, souvent le nerf crural, également appelé nerf fémoral, et le fameux nerf sciatique. Donc des mobilisations du nerf sciatique tranquillement, adaptées, pourraient soulager les symptômes qui irradient, en plus de ça, les engourdissements et les picotements dans la jambe. Ensuite, j'aimerais que vous rééduquiez vos abdominaux profonds. Donc on connaît tous les muscles superficiels, mais on a parlé du muscle transverse, le muscle abdominal qui est profond et qui sert de ceinture lombaire naturelle. Donc pour ce faire, j'aimerais, et puis vous devez trouver un moyen d'activer ce muscle transverse via des exercices spécifiques, répéter ces contractions. Ensuite, augmenter le temps de contraction pour augmenter l'endurance de ce muscle. Et ensuite, permettre de recruter ce muscle-là dans diverses positions, notamment en position couchée, puis assise, puis debout et ensuite des mouvements un peu plus fonctionnels pour qu'on puisse ultimement l'implémenter dans son quotidien, de sorte que le muscle transverse abdominal puisse être contracté lorsqu'on fait une activité fonctionnelle ou bien une activité à risque, comme tout à l'heure on a dit soulever une charge lourde, que ce muscle-là puisse être contracté, activé au bon moment pour protéger votre colonne vertébrale. Ensuite, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est de désensibiliser votre système nerveux centra central. On a dit que la douleur pouvait être modulée par plusieurs éléments et qu'elle pouvait augmenter ou diminuer. Notre objectif, ça va être d'envoyer un message au cerveau, au système nerveux, pour l'avertir de réduire son seuil de douleur. Et pour ce faire, il y a plusieurs méthodes. Il y a certains exercices respiratoires qui peuvent aider à réduire un petit peu le stress et calmer le message au cerveau il y a certains exercices de méditation précises la méditation pleine conscience par exemple qui permettent de guider le corps vers une détente totale et une réduction du seuil de douleur ensuite et une des choses les plus importantes ça va être de réaliser des exercices mais pas n'importe quel exercice il faut à tout prix que ces exercices soient adaptés adaptés à votre condition particulière et qu'est-ce que je veux dire par adapté à votre condition particulière, déjà il faut qu'il soit adapté à votre stade de douleur. Pour commencer, c'est toujours mieux de, de, de faire des exercices légers. En fait, on pense souvent que lorsqu'on fait des exercices, on va tonifier nos muscles, on va augmenter notre flexibilité, mais en phase initiale, lorsqu'on a plus de douleur, notre réel objectif, c'est de désensibiliser le système nerveux central. Qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut dire que si on réalise n'importe quel exercice, et que cet exercice il est réussi, et il est réalisé sans douleur. En fait, c'est un signal qu'on envoie à notre cerveau pour lui dire, tu as réussi à faire cet exercice, et il n'y a pas eu d'augmentation de douleur. Donc ça, ça implique quoi C'est une victoire qui montre qu'on est capable de bouger sans aggraver la condition, et le cerveau va l'interpréter comme une victoire. Alors imaginez maintenant qu'on fait un exercice, puis qu'on en fait un autre, et qu'il n'y a toujours pas de douleur, une autre victoire, puis un autre. Une autre victoire, puis un autre, une autre victoire. Ces accumulations de victoires vont ultimement amener le soulagement durable de vos douleurs et vous permettre de sortir de cette crise aiguë. Donc essayez de shifter votre attention vers, depuis le renforcement, on va muscler, on va tonifier, on va assouplir, vers simplement, on va réaliser des gestes qui ne sont pas douloureux pour envoyer un message de douleur positif à notre cerveau pour lui dire qu'on est capable de bouger et qu'on peut se faire confiance, on peut avoir confiance en notre dos pour que en fait le cerveau puisse réduire son seuil de douleur et qu'on puisse sortir de cette crise aiguë de douleur, cette douleur persistante. Également, les exercices que vous devez faire doivent être Adapté à votre corps. On a parlé tout à l'heure de déséquilibre. Évidemment, notre objectif, ça va être de corriger ces déséquilibres. On va reprendre les mêmes exercices, les mêmes exemples qu'on a vus tout à l'heure. Imaginez que vous, avez un, vous êtes très flexible, vous êtes hyper de nature. Eh bien, pour vous, il faudra un, un exercice, des exercices de renforcement. Il faudra tonifier la musculature au niveau du tronc pour stabiliser un petit peu vos vertèbres qui sont déjà très flexibles, pour éviter les mouvements. D'instabilité, les mouvements extrêmes qui souvent viennent causer des douleurs. A l'inverse, si vous avez un dos qui est raide, vous êtes raide de nature, c'est toujours mieux de l'étirer et non pas de le renforcer. C'est mieux de faire des exercices d'étirement, de mobilité, de flexibilité adaptés qui vont vous permettre d'assouplir vos articulations, d'être plus fonctionnel et éventuellement ceci va mener à une réduction de douleur. Si on parle de l'hyperlordose, donc ce mouvement où on est cambré au niveau du bas du dos, cette posture caractéristique de certaines personnes, on a parlé tout à l'heure qu'il y avait une certaine faiblesse au niveau des abdos, bien des fessiers. Dans ce cas-ci, si vous avez une hyperlordose, vous pouvez essayer de renforcer les abdos et les fessiers pour corriger cette position du bassin et de manière simultanée, assouplir les muscles paraspinaux et les psoas pour recréer un équilibre au niveau du bassin et de la courbure lombaire pour la normaliser et réduire cette hyperlordose afin qu'elle réduise en fait le mal de dos si c'est votre cas particulier. Ensuite, ce que j'aimerais que vous fassiez et ça je sais que c'est difficile, c'est d'optimiser votre hygiène de vie. J'aimerais que vous preniez un moment pour évaluer et améliorer la quantité et la qualité de votre sommeil. Si possible, vous pouvez adopter une alimentation anti-inflammatoire, cibler des aliments qui ont une action anti-inflammatoire, parce que de la même façon qu'il existe des aliments qui augmentent l'inflammation, certains aliments peuvent réduire le niveau d'inflammation. Et donc, si on est capable de les choisir, en faire des recettes savoureuses et de l'inclure dans notre quotidien, eh bien, on peut bénéficier d'aliments qui vont nous permettre de réduire l'inflammation, donc la douleur, et bien sûr, nos kilos en trop. Donc, euh, oui, justement, on peut perdre nos quelques kilos en trop si nécessaire pour réduire le stress sur nos vertèbres. Ensuite, on peut évaluer et, si besoin, normaliser le niveau de vitamine D parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il était relié à la douleur chronique. Ensuite, le stress, le fameux stress, <laughs> le mieux, le plus on peut le gérer, le mieux c'est. Donc, si vous prenez du temps ou utilisez des ressources, de l'aide extérieure pour gérer votre stress, eh bien votre dos vous en remerciera. Ensuite, le dernier élément des exercices que vous devez faire pour traiter votre mal de dos, en fait, il faut que ces exercices soient adaptés à votre vie quotidienne. On est tous pris par le boulot et peut-être que dans votre cas, ça vous pèse beaucoup, ça vous empêche d'être aussi actif que souhaité. Peut-être que vous avez des enfants qui prennent énormément d'énergie, peut-être que vous êtes constamment sur le, la route, euh, que ce soit pour une raison ou une autre, le boulot ou autre. Eh bien, eh bien, c'est mieux d'adapter les exercices à votre quotidien. Et soyons honnêtes, on ne peut pas faire des exercices 24 heures sur 24. Vous n'êtes pas obligé de faire du sport pendant des heures. Et des fois, c'est ce qu'on voit sur Instagram, des gens qui passent leur journée à faire du sport et ils véhiculent ce message que pour être en forme, il faut faire du sport 2, 3, 4 heures par jour. C'est faux. Et encore plus lorsqu'on souffre de mal de dos, parce qu'on connaît l'importance du repos pour permettre de soulager ces symptômes. Vous n'êtes pas obligé d'aller à la salle de musculation n'êtes pas obligé de forcer dans la douleur pour avoir des bénéfices pour avoir en fait un soulagement le sport que vous pratiquez doit pouvoir s'intégrer à votre routine il faut qu'il soit d'une durée raisonnable et il faut aussi qu'il soit assez stimulant pour éviter l'ennui parce que soyons honnêtes plusieurs d'entre nous commençons le sport puis ensuite on l'arrête parce que on est pris par le boulot la famille des vacances et ensuite on n'est pas Passionné du sport et donc on n'est pas passionné, donc ça fait en sorte que on n'a pas cette constance, cette motivation qui nous stimule à continuer. Donc il faut trouver des ressources et puis des choses qu'on peut implémenter dans notre quotidien qui s'adaptent à notre style de vie pour que le sport ne soit pas un fléau. Et la dernière chose que j'aimerais que vous fassiez, c'est de mettre l'accent sur la prévention, la prévention pour protéger votre dos et prévenir les récidives de blessures. Faut savoir que des muscles du tronc qui sont forts, associés à un dos qui est souple, mobile, avec des bonnes habitudes posturales et une bonne conscience corporelle, ça caractérise un dos en santé. Et c'est ce que vous devez chercher à trouver cet équilibre pour votre dos et pour rester en santé. Il faut inclure un programme qui comporte plusieurs éléments nécessaires à une bonne santé du dos, comme la flexibilité la stabilité, le contrôle, la force, la posture. Si vous trouvez un programme qui allie tous ces éléments, eh bien, croyez-moi, vous avez trouvé une pépite, en fait, une pépite qui va vous permettre de soulager votre mal de dos sur la durée. Et le meilleur moment pour faire de l'exercice, c'est quand la douleur est sous contrôle. N'oubliez pas. Le, pas lorsque ça fait trop mal ou est-ce que c'est beaucoup plus complexe, qu'il y a de l'inflammation et en fait, en réalité, on n'a pas vraiment envie de faire de l'exercice lorsque on a de la difficulté de se lever du lit. Voilà, 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 voilà. Donc, je vous ai présenté les six conseils pratico-pratiques que j'aimerais que vous implémentiez dans votre quotidien pour soulager votre mal de dos et reprendre la vie active que vous méritez. Donc, je sais encore une fois que ça fait beaucoup, mais j'espère que vous avez réussi à absorber ces informations. Et sincèrement, rien qu'en appliquant les concepts discutés dans cette masterclass, je vous jure que vous pouvez espérer une réduction significative de vos douleurs. Je vous avais promis en début de masterclass que vous allez mieux comprendre pourquoi vos douleurs persistent et vous allez découvrir cinq erreurs que vous commettez qui retardent votre guérison. Je vous ai promis qu'on allait identifier ensemble quatre causes réelles de vos douleurs et je vous ai promis six conseils concrets basés sur ma méthode pour mettre un terme à vos douleurs pour de bon. J'espère avoir tenu parole, j'espère avoir été à la hauteur de vos espérances. Maintenant, le meilleur pour la fin. Il me reste une chose à faire avec vous, c'est de vous faire découvrir cette approche, l'approche qui m'a permis de soulager des milliers de personnes en présentiel et en ligne. Au cours des dernières années. Donc, avec votre permission, j'aimerais pouvoir vous la partager. Cette méthode a bénéficié plus de 25 mille patients à travers le monde. J'ai voyagé et j'ai traité des patients ici et là et leur a permis de reprendre leur activité sans douleur et sans cette crainte de récidive, sans cette anxiété. Est-ce que la douleur va revenir Est-ce que je peux faire ce geste-là Et ça, ça pèse au niveau du mental. Eh bien, ça aussi, c'est très important pour moi à traiter. Cette méthode a également aidé des millions de personnes en ligne via mon site Lombafit, mes vidéos sur YouTube, mes programmes, ma newsletter et mon contenu de manière générale. Encore une fois, j'aimerais prendre les prochaines minutes avec votre permission pour vous proposer cette méthode, ma méthode qui pourrait enfin mettre un terme à vos problèmes de dos. Ok, maintenant on a envie, en fait tous, que vous ayez moins mal au dos qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Okay, on va essayer de penser concrètement que ce que vous pouvez faire pour soulager vos symptômes dès aujourd'hui. la première chose que vous pouvez faire, c'est de gérer vos douleurs avec des médicaments. vous pouvez même envisager des infiltrations, la chirurgie, même si personnellement je ne vous recommande pas d'adopter ces approches passives qui favorisent en fait euh, la dépendance à quelqu'un d'autre et qui ne sont pas prouvées pour tous les cas. Et surtout pas sur la durée. Vous pouvez également aller de thérapeute en thérapeute en espérant que le thérapeute va utiliser ses mains magiques pour vous guérir. Encore une fois, je suis pessimiste à cette idée. Vous pouvez vous inscrire dans une salle de sport, mais souvent les gens me disent que les, les équipements sont complexes, il n'y a pas de guide et on a peur de se blesser avec des machines ou bien en faisant les mauvais gestes. Évidemment, vous pouvez vous payer un coach sportif privé pour vous remettre au sport, mais il y a des coûts associés. Ou bien vous pouvez encore chercher des solutions à gauche et à droite sur Internet, mais souvent il n'y a pas de structure reliée au contenu promis et offert sur Internet. Ce que vous pouvez faire également, si vous désirez passer à l'action dès aujourd'hui, j'ai une proposition à vous faire pour réaliser vos objectifs. Pour soulager durablement votre mal de dos, avoir plus de confiance en votre dos. Je vous ai dit que c'est très important pour moi de prévenir le mal de dos et avoir confiance en ses capacités pour atteindre vos objectifs sportifs si vous en avez ou bien vos activités de loisirs sans compter sur des infiltrations, des chirurgies ou toute approche en fait passive qui ne persistera pas dans le temps. J'aimerais vous parler de Lombafit Studio. Lombafit Studio en fait, c'est une plateforme qui offre des séances d'exercices guidées pour améliorer la santé de votre dos et reprendre une vie active et sans douleur. Si vous vous abonnez à, à LombaFit Studio, vous aurez accès à des centaines de séances d'exercices guidées et adaptées à votre mal de dos. Ces séances pourront être réalisées dans le confort de votre foyer selon votre propre emploi du temps. Les durées des séances elles sont très variables il y a des séances très courtes, 5 minutes ou moins. Et des fois des séances beaucoup plus longues, jusqu'à 50 minutes, pour ceux et celles qui veulent intégrer davantage d'éléments. Elles peuvent être faites sans équipement ou bien avec équipement. On utilise le poids du corps, des haltères, des élastiques, des ballons. Bref, en fonction de votre équipement ou bien même sans équipement, il est possible de se maintenir actif et encore plus si les séances sont guidées par un professionnel de santé. Il n'y aura pas d'interruption évidemment. Les pubs YouTube qu'on fait des fois lorsqu'on fait des séances sur YouTube eh bien, peuvent, être, peuvent nuire à la bonne exécution des séances. Il y a également sur LombaFit Studio des programmes structurés, comme par exemple le challenge 5 jours pour maîtriser les fondamentaux, où on parle des aspects fondamentaux qui caractérisent un dos en santé. Il y a plusieurs personnes le connaissent déjà d'ailleurs, ce programme. Qui a connu beaucoup de succès, le programme 21 jours contre le mal de dos, qui est disponible sans interruption. Et pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, eh bien ce programme peut réellement changer votre vie en l'espace de trois semaines. Il y a également plusieurs autres programmes qui, re, qui sont reliés à ce qu'on a discuté précédemment, précédemment, à savoir des programmes sur vos abdominaux profonds, le transverse, la direction préférentielle pour centraliser vos symptômes, pour désensibiliser le système nerveux central, pour respirer de manière optimale et beaucoup plus. Il y a évidemment du contenu éducatif en prime, beaucoup de conseils de gestion de douleur sur votre hygiène de vie, des choses qu'on a discuté aujourd'hui sont font partie intégrante de la plateforme LombaFit Studio. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que c'est une plateforme qui est dynamique et active. Il y a du nouveau contenu qui est rajouté à chaque semaine pour maintenir votre motivation et s'assurer de votre progrès. Il y a également des séances live que j'organise pour vous garder motivés. Et à la fin de chaque séance live, je réponds à vos questions, des questions que vous aurez peut-être. Et je vous offre bien sûr l'accès au replay pour ceux et celles qui auront manqué la séance il y a un support continu et une, une communauté qui est très motivée de l'entraide, en fait. On est très empathiques les uns envers les autres et ça va nous permettre de partager nos expériences, partager nos succès, nos échecs et de rester engagés. Personnellement, ce que je pense qui rend cette plateforme unique, avec l'OmbaFit Studio, vous aurez toutes les ressources sous la même plateforme. Donc, des séances qui sont reliées à la mobilité, à la force, en fonction de chaque condition. Bref, toutes les ressources, normalement qu'on trouve de façon disparate, à gauche, à droite, seront réunies au, réunies au sein de la même plateforme. Également, ça va être des séances qui sont guidées de A à Z. Ce n'est pas des exercices individuels que je vais vous montrer de façon rapide, ou pire encore des PDF, des images, des explications qui sont difficiles à comprendre et ce n'est surtout pas motivant. Donc, ça va être des séances où je vais réaliser les exercices avec vous et vous montrer comment les adapter afin qu'ils n'augmentent pas vos symptômes. Ensuite, vous aurez un accès direct à moi. Et cet accès, aussi, ça veut aussi dire 13 ans d'expérience à votre service. Je suis kiné, mais également spécialisé dans le mal de dos. Maintenant, je vais vous faire un tour guidé de la plateforme LombaFit Studio qui est disponible sur lombafitstudio.com. Je vais également laisser un lien en description, bien autour de cette vidéo. En fait, lorsque vous accéderez à la plateforme sur lombafitstudio.com, dans la section séances, on peut voir qu'il y a plusieurs séances disponibles. On commence déjà avec des séances d'intégration au début un petit peu plus longues qui complètent un petit peu la semaine. Souvent, si vous voulez faire une fois par semaine ou plus, qui intègrent du renforcement, de la mobilité, de la détente. Bref, tous les éléments essentiels à une santé du dos optimale. Il y a à chaque fois des séances live. Auquel vous pouvez vous inscrire, vous allez recevoir des notifications pour vous rappeler de la séance et vous aurez accès à la séance euh, en direct pour poser vos questions, pour me suivre en direct et à la fin, si vous avez manqué. La séance, vous aurez accès au replay. Comme j'aimerais beaucoup, j'aime beaucoup structurer les choses. Je, je vous montre où commencer, je vous montre comment bénéficier de cette plateforme au maximum, par où commencer, les recommandations, ce que je vous fais en fait, ce que je vous recommande de faire pour commencer. Ensuite, il y a une section pour soulager vos symptômes de façon concrète avec des balles de tennis, des rouleaux et il y a plusieurs programmes structurés. Et si on continue, il y a des séances spécifiques à chaque condition. Donc, si vous souffrez d'une hernie discale, vous trouverez plusieurs séances adaptées à la hernie, ou bien à la sciatique, ou bien à l'arthrose, ou lombago. Et il y a plusieurs autres conditions ainsi qui sont couvertes. Vous aurez également des séances par objectif le renforcement, la mobilité, la posture, la détente, en fonction de vos besoins particuliers. Il y a également des conseils. Au quotidien, des séances pour vous aider, si par exemple vous avez beaucoup travaillé à l'ordi, vous avez fait du télétravail, si vous avez beaucoup marché pour les dames en talent haut, ou bien si vous avez été raide le matin, une séance de déverrouillage matinal est disponible. Et eh bien également, lorsque vous avez beaucoup conduit, vous pourrez faire cette séance à la fin pour euh, vous permettre de détendre euh, votre musculature et contrecarrer les effets néfastes de la position assise et de la conduite prolongée. Et pour les sportifs, on a des séances adaptées au sport pour permettre un échauffement optimal, adapté à vos douleurs lombaires, une bonne récupération et une amélioration de vos performances sportives. Bref, vous avez beaucoup d'éléments dans cette même plateforme, LombaFit Studio. Maintenant qu'on a fait le tour, c'est le moment de parler des tarifs. Évidemment, c'est une chose qui est importante à prendre en considération, mais je suis sûr que vous allez être agréablement surpris dans cette section. Avec Lombafit Studio, vous aurez accès à des centaines d'heures de vidéos et ça augmente à chaque semaine avec toutes les nouvelles séances que je rajoute de manière hebdomadaire. Vous aurez également accès à mon expertise et à mon expérience. Je réponds personnellement à tous vos commentaires, à tous vos mails et des fois je vous offre des possibilités de travailler avec moi de façon individuelle. Sachant qu'une séance avec un professionnel de santé peut monter jusqu'à 100 euros l'heure ou bien qu'un abonnement dans une salle de sport peut aller jusqu'à 70 euros par mois alors qu'on y va très peu, je vous offre l'AmbaFit Studio et son accès pour un coût abordable de 29,99 euros par mois. Par contre, il faut savoir que c'est une offre de lancement avec une durée limitée. Le prix va grimper après le lancement officiel de la plateforme. C'est le prix le plus bas que vous verrez. Euh, avec cette plateforme-là et le prix sera amené à monter. Pourquoi Parce qu'il y a également plusieurs nouvelles fonctionnalités à l'horizon. Je rajoute, comme j'ai dit, des vidéos sur une base régulière. Il y aura également très prochainement, si ce n'est pas déjà fait, une application mobile pour que vous puissiez accéder à Lamba Fit Studio à même votre téléphone. Il y aura également un calendrier personnalisé où je vous montre tous les jours ce que vous pouvez faire pour votre dos, pour le maintenir en santé, avec des séances adaptées à tous. Il y aura également une, séance, une section de communauté qui est dédiée pour interagir entre vous et directement avec moi et beaucoup d'autres fonctionnalités qui vont se rajouter. Et bien sûr, ça viendra avec des coûts supplémentaires. C'est pour ça que l'offre que vous avez aujourd'hui, c'est une offre exclusive et c'est un coût qui est abordable et qu'il ne faut pas manquer. D'ailleurs, plusieurs personnes ont déjà fait le pas et qui ont testé en fait l'approche et la plateforme LombaFit Studio. La plupart des gens ont été très agréablement euh, surpris et puis déjà très contents de la plateforme parce qu'ils disent souvent que c'est une plateforme qui est unique. Personnellement, je ne connais pas d'autres plateformes sur le net disponibles en français qui vous permettront de faire des séances guidées, de couvrir tous les éléments nécessaires et essentiels à une bonne santé du dos. Beaucoup de gens ont pu voir une réduction de leurs symptômes, une correction de leur diagnostic au niveau... Hernie discale, sciatique, tous ces symptômes se sont dissipés. Ils ont pu reprendre le sport grâce à LombaFit Studio. Et beaucoup de gens sont très ravis d'avoir travaillé avec moi et très ravis d'avoir bénéficié de mes programmes qui sont également offerts au sein de LombaFit Studio. Et si ce n'est pas suffisant, croyez-moi, j'ai vraiment envie de vous donner le plus de valeur possible. C'est pour ça que je rajoute des bonus. Il y a énormément de bonus si vous rejoignez Lomba Studio. Premièrement, on a parlé de l'alimentation anti-inflammatoire. J'aimerais vous offrir le programme et le plan alimentaire de 28 jours anti-inflammatoire. C'est en fait des recettes tirées de la, la recette de la, de la cuisine méditerranéenne. Qui va vous permettre de calmer l'inflammation, soulager vos symptômes et perdre vos quelques kilos en trop? Il y a un plan alimentaire de 28 jours et des centaines de recettes. Ce recueil couvre environ presque 200 pages à une valeur de 97 euros et je vous l'offre gratuitement lorsque vous rejoignez l'AmbaFit Studio. Également, il y a énormément de e-books qui sont offerts et qui sont adaptés à votre condition. Donc un e-book sur la hernie discale, sur le lombago, un e-book pour les athlètes, les sportifs, un e-book où je réponds sans question les plus fréquemment posées par mes patients et puis plusieurs autres e-books qui ont une valeur individuelle de 47 euros chacun. Donc si on regarde tous les e-books qui sont disponibles et que je vous offre, Gratuitement, lorsque vous allez rejoindre Lomba Fit Studio, on en a pour 329 euros de contenu e-book. Si on combine maintenant le plan alimentaire anti-inflammatoire et les e-books offerts, on en a pour 426 euros. C'est rien que les bonus et eh bien, vous aurez en fait accès à ces bonus-là gratuitement. Donc si on récapitule, lorsque vous rejoindrez Lomba Studio, vous aurez accès Illimité à la plateforme LombaFit Studio avec des séances qui sont mises à jour à chaque semaine, des séances live qui sont régulières, un accès à moi et à ma communauté LombaFit Studio, le plan alimentaire anti-inflammatoire et plusieurs e-books offerts pour 29,99 euros par mois. C'est une offre exclusive pour le lancement officiel de la plateforme. Maintenant, si vous avez des doutes quant au prix, bien, je ne sais plus quoi vous dire. Mais croyez-moi, j'ai réfléchi et je veux vraiment vous offrir le plus de valeur possible. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'ajouter des garanties à votre inscription Lombafit Studio. J'ai décidé d'intégrer une période d'essai gratuite de 7 jours. Donc là, on vient d'éliminer tous les risques de se faire avoir. Vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez bénéficier des bonus. Gratuitement, et ensuite vous allez décider si la plateforme vous convient. Vous avez sept jours pour réaliser les séances adaptées à, vos, à votre condition, à vos besoins particuliers, bénéficier de tous les bonus, les télécharger pour les avoir avec vous. Et après sept jours, vous allez dire Est-ce que j'aime cette plateforme Est-ce qu'elle me convient Et si c'est le cas, vous pourrez continuer l'aventure. Et si ce n'est pas le cas, et eh bien vous n'aurez rien perdu. Vous n'y aucun risque, il n'y a aucun engagement à votre inscription initiale à Lambafit Studio. Et même pour vous permettre de faire des économies, j'ai décidé d'aller encore plus loin et de vous permettre de sauver 10 à 20 en vous abonnant sur une base trimestrielle ou bien annuelle. Donc vous allez choisir le plan qui vous convient et en fonction de ça, vous aurez tout de même accès à une période d'essai de 7 jours et à ce moment-là, vous pourrez ensuite prendre votre décision. De manière concrète, si on va sur le site lombafitstudio.com, il y aura une section euh, n'importe où, une section où vous pourrez rejoindre en fait l'abonnement avec un abonnement rejoindre la plateforme et vous allez ensuite choisir le plan qui vous convient et vous aurez ensuite accès à 7 jours d'essai gratuit. Vous devez remplir vos informations et peu importe les informations que vous allez Rentrez, vous ne serez pas facturé pendant les sept premiers jours. Donc c'est un paiement qui est sécurisé, il n'y a aucun risque, aucun engagement. Vous avez sept jours pour prendre une décision et bénéficier de toutes les ressources et des séances disponibles sur Lombafit Studio. Et ceci sans frais, sans risque, sans engagement. Il y a plusieurs questions qu'on me pose des fois lorsque les gens ils ne savent pas encore s'ils veulent ou non. Rejoindre l'ombaphite studio. Certaines personnes ont des doutes sur les exercices en tant que tels. Ils se disent Moi, je ne suis pas trop sportive, je, je, je ne sais pas si les exercices sont adaptés à mon niveau. En fait, il faut savoir que déjà, je suis kiné. Donc, faire des exercices en présence de douleurs, c'est ma spécialité et je vous guide à travers ces séances. Donc, il y a même une section où on traite uniquement de vos douleurs, où je vous montre des séances guidées et je vous partage des conseils pratiques. Il y a des exercices pour. Tous les niveaux, même dans chaque section, on va les séparer pour les débutants, les intermédiaires, les avancés. Et pour vous faire comprendre un petit peu ce que je veux dire, c'est qu'il y a des séances, des fois, qui sont sur chaise à 100%. Donc si vous avez beaucoup de douleur ou que vous êtes en position assise régulièrement, ben, je vous montre des exercices à faire alors que vous êtes assis sur une chaise. Donc c'est dire à quel point les, les exercices peuvent être adaptés à tous les niveaux, à toutes les conditions physiques et à tous les diagnostics. Ensuite, Certaines personnes, ils veulent s'inscrire, mais ils veulent avoir cette réassurance qu'ils peuvent se désinscrire à tout moment. Donc oui, vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Il n'y a aucun engage engagement, notamment lors des sept premiers jours où vous pouvez vous inscrire de manière totalement gratuite. Et moi, personnellement, il me ferait plaisir de vous voir vous désinscrire lorsque vos douleurs vont disparaître. Donc c'est mon objectif pour moi d'utiliser cette plateforme comme transition, vous permettre de faire des exercices de manière sûre, progressive et adaptée pour qu'éventuellement vous puissiez reprendre vos activités normales, vos sports, vos loisirs, et que vous quittiez cette plateforme éventuellement pour reprendre un train de vie normal maintenant pourquoi est-ce que j'ai pas utilisé l'ombafit studio sous forme de programme pourquoi je n'ai pas proposé un programme qui couvre tout en fait ce qu'il faut savoir et vous l'avez compris j'imagine avec cette masterclass c'est que le mal de dos requiert une approche préventive qui s'inscrit sur la durée donc la plateforme et l'abonnement mensuel permet justement de bénéficier d'une approche qui est progressive variée contrairement à un programme qui va juste offrir des séances ponctuelles et qui ne sont pas associées à de la motivation, bien des façons de vous garder engagé. Nous, avec Fit Studio, on va vous garder engagé, motivé avec les lives, avec la communauté, avec même des mails que je vais partager avec vous régulièrement pour prendre de vos nouvelles. Et je serai en contact avec vous, en constante communication avec vous pour m'assurer de votre progrès et de, vos, de votre satisfaction aussi. Hein. Si vous avez quelconque question, n'hésitez pas, je suis disponible pour vous, vous pouvez m'écrire à lambafit.com et il me fera plaisir de vous répondre si vous avez des questions précises. Maintenant, pour conclure, c'est ce qui va compléter cette masterclass, j'aimerais qu'on prenne un moment, un moment pour réfléchir à votre quotidien si vous n'aviez aucune douleur. C'est une question que j'aime poser à mes patients. Quelle serait la première chose que vous feriez si vous n'aviez aucune douleur demain en vous réveillant Quelle activité feriez-vous sans appréhension, sans réfléchir à votre dos Quel sport reprendrez-vous Écoutez, des milliers de personnes ont réussi à faire le pas et ont utilisé l'ombafit studio et mon approche pour soulager leur mal de dos, surmonter leur douleur, reprendre une vie active. Alors, pourquoi pas vous Je vous invite donc à rejoindre Lombafit Studio. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt sur la plateforme.